Bonjour, bonjour, bonjour. Je vais vous parler de la peau sèche. Vous êtes toujours dans mes inbox. La terre mage, la peau qui tire, ou la terre mage, la peau qui brille. La terre mage, pas une belle peau. La terre mage, au secours. Il y a plusieurs types de peau. Il y a la peau sèche, il y a la peau grasse, il y a la peau normale à mixte, et il y a la peau normale. La peau normale, c'est la peau de bébé. Voilà. Nous, les adultes, nous n'avons pas la peau normale. Non, 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 non. Nous avons la peau grasse, nous avons la peau sèche, ou nous avons la peau normale à mixte. La peau normale à mixte, faites ça, tout. Des parties de la zone T brillent. La zone T, ça brille. La zone T, ça brille. Et les autres parties sont sèches. C'est ce qu'on appelle la peau mixte. La peau grasse, vous avez le visage qui brille tout au long de la journée. Parfois, vous m'écrivez, vous me dites la terre m'a, j'ai de l'huile sur le visage. C'est ça, la peau grasse. La peau grasse, c'est la peau qui est remplie de sébum. Il faut savoir que le sébum nous protège quand même de toute la pollution. Le sébum protège la peau. Mais s'il y a trop de sébum, vous pouvez développer de l'acné. Pourquoi? Parce que cet excédent de sébum va vous boucher les pores et former des comédons. Des comédons blancs ou alors des comédons noirs. Ce sont les blancs qui sont passés au noir à cause de l'air. L'oxydation plutôt due à l'air. D'accord. Et alors, cette peau grasse, elle est grasse tout le temps. Elle brille tout le temps. Le matin au réveil, elle brille. À 10h, c'est la catastrophe. Le soir, c'est la catastrophe. Alors que la peau sèche est une peau qui ne brille pas, est une peau terne, est une peau qui manque d'éclat. Le manque de sébum entraîne une peau sèche qui manque d'éclat, qui tiraille. Vous vous lavez le matin, la peau elle tire. Vous mettez la crème, la peau continue à tirer. Vous lavez le soir, ou vous lavez le matin votre visage, après la peau tire. Qu'est-ce qu'il faut faire dans tous ces cas? Pour une peau normale à mixte, vous achetez une crème hydratante légère. C'est écrit sur le packaging légère. Pour une peau grasse, vous achetez une crème matifiante que vous pouvez utiliser matin et soir. Mais attention, la crème matifiante a pour effet de resserrer les pores, donc de transformer votre peau grasse en une peau moins grasse et peut aussi l'assécher. Donc moi je conseille, si vous avez une peau grasse, vous mettez votre crème matifiante le matin et le soir, mais sur une période d'une ou deux semaines. Ensuite, vous réservez votre crème matifiante en journée et le soir, vous hydratez votre peau. Et si vous avez la peau sèche, alors là, vous passez à une crème nourrissante. Vous allez dans une parapharmacie, vous allez dans une pharmacie, vous achetez une crème nourrissante, une crème nutritive qui va vous apporter du gras. Vous mettez cette crème matin et vous mettez cette crème le soir. Et vous pouvez compléter votre crème avec un sérum hydratant. D'accord? Vous avez compris? Peau normale pour les bébés. Peau normale à mixte, les adultes. Peau grasse, les adultes. Et peau sèche. Un adulte n'aura jamais la peau normale. Et oui, désolé, la peau normale est réservée aux bébés. Et puis, vous avez la peau mature qui n'est pas un type de peau, d'accord? Une peau mature est une peau qui a tendance à s'assécher à cause du manque d'hormones, d'accord? Donc, les peaux matures doivent utiliser des crèmes nourrissantes. Moi, j'ai une peau mature, mais comme j'ai tellement entretenu cette peau, elle ne s'est pas asséchée. Du coup, j'utilise une crème hydratante légère, mais pas de crème nourrissante. Par contre, je réserve ma crème nourrissante pour le soir. Parce que vous savez que le soir, la peau a besoin d'être nourrie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous et merci de continuer de me suivre. N'hésitez pas à aller sur Instagram, sur YouTube, sur Snapchat et puis sur TikTok. Ciao, ciao.